La guide est maîtresse de soi. Elle sourit et chante dans les difficultés. Bonjour les guides, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci du 8e article de la loi Scout. Comme vous pouvez l'imaginer, cet article nous invite à faire preuve d'une grande force. C'est-à-dire que la guide n'est pas menée, elle ne subit pas sa vie, mais au contraire, elle en est maîtresse. C'est une femme, une jeune fille forte, capable de tenir, de résister sans se lasser, et tant que c'est nécessaire. Ainsi, elle ne se laisse pas accabler par les peines. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les difficultés, les souffrances que nous pouvons rencontrer tout au long de notre vie, sont aux mains de Dieu, un procédé d'éducation, et ainsi notre persévérance, notre patience d'endurer ces souffrances attestent la puissance de notre amour pour lui. Souffrir pour un bien l'enracine en nous et nous le rend plus cher. Sans doute, il peut y avoir des épreuves cruelles, vraiment difficiles à surmonter et accepter. Mais la guide ne cherche à faire que la volonté de Dieu. C'est ce que nous demandons d'ailleurs dans la prière scout, sans attendre votre récompense, que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Dans ma dernière vidéo, je parlais de la capacité à dire oui. Et c'est ce dont il s'agit encore à nouveau dans cet article. Accepter les difficultés qui peuvent se dresser sur votre chemin. Dire « Oui Jésus, j'accepte ces souffrances parce que je sais que par derrière il y aura un plus grand bien et que c'est votre sainte volonté. » Sachons accepter les petits désagréments de la vie quotidienne avec le sourire. Quand nous recevons un ordre et que c'est vraiment pas le moment, parce que par exemple vous êtes lancé en plein dans votre tenon mortaise et vous voulez vraiment le finir, eh bien, sachons arrêter le travail en cours et obéissons joyeusement et rapidement et non avec lenteur. Ou alors, quand vous venez de manquer votre train ou que l'on vient de vous écraser le pied par mégarde, dans n'importe quelle circonstance désagréable, forçons-nous à sourire immédiatement et cela nous remettra d'aplomb. Ne nous laissons pas décontenancer par la moindre contrariété. Sachons avancer quoi qu'il arrive. Apprenons à faire preuve de courage, de force, de dépassement de soi. Toutes ces vertus que je viens de citer nous font grandir et c'est la meilleure des joies. On se purifie aux rudes besognes, aux généreux sacrifices. Sachons partager notre bonheur. Il y en a tant qui ne savent que s'attrister, se décourager, se laisser dépasser par les événements. Ne gaspillons point les trésors qui sont à notre portée et que nous ne savons point regarder. Nous devons être comme un rayon de soleil dans la vie de notre entourage. La guide sourit et chante dans les difficultés. Agir sans tristesse est un commandement de la loi divine. Parce que celui qui accomplit tristement un acte de vertu prouve que finalement, il ne veut pas vraiment ce qu'il accomplit. Il le fait, oui, parce qu'il en est bien obligé, mais à contre-cœur. Et nous savons que le but de la loi, c'est de nous amener à le faire volontiers. Donc, agir sans tristesse. Il y a deux choses dans un acte de vertu. D'abord, l'acte en lui-même, et ensuite, l'intention, c'est-à-dire la volonté d'où il part. Et donc, si nous ne sourions pas, c'est donc que peut-être, finalement, nous n'avons ni but élevé, ni âme grande, c'est donc que peut-être nous agissons seulement pour la gloriole, ou le profit. Les nobles âmes travaillent pour que leur vie soit pure, simple et droite, selon le programme des 10 articles, pour que leur vie soit semblable à celle de Jésus-Christ, notre chef. Parfois, nous nous dépensons sans compter. Nous donnons beaucoup de notre temps, de notre énergie, pour telle ou telle action, et l'on nous méconnaît. On reçoit aucun remerciement, aucun encouragement. Mais ne ressentons pas de déception, car l'amour se prouve bien mieux quand on peine uniquement pour le plaisir de la vie. Trop souvent, quand nous nous retrouvons devant un obstacle, nous nous disons que nous n'y arriverons jamais, que nous n'avons pas les qualités requises pour accomplir telle ou telle action. Et pourtant, je pense que nous ne mesurons pas assez à quel point nous sommes riches, à quel point Dieu nous a gâtés et nous a bourrés de qualités. Et c'est en se confrontant aux difficultés, aux intempéries de la vie, que nous pourrons mesurer de quoi nous sommes capables, quelles sont nos forces, quels sont nos défauts. Et c'est en se connaissant que nous pourrons avancer. Sachons vivre, acceptons nos faiblesses pour qu'elles deviennent des forces. Nous prenons conscience de nos qualités pour les mettre au service de notre prochain. Comment vais-je pouvoir lui être utile? Sachons se faire confiance, se dire « J'en suis capable, je peux et je vais y arriver avec un petit coup de
pouce du Saint-Esprit. Se faire confiance, certes, mais c'est très différent de prendre la confiance, justement. Prendre conscience de ses forces, d'accord, mais pour les mettre au service des autres et non pour prendre le melon et se mettre en avant. Voilà, sachons rester humbles, quoi qu'il arrive. En prononçant notre promesse, nous avons choisi de porter notre croix comme Jésus-Christ l'a fait avant nous. Mais ce renoncement au plaisir, ce désir du don de soi, nous enrichit plus que la poursuite effrénée du plaisir. Nous perdons ainsi le confort d'une vie mondaine et capricieuse et nous apprenons petit à petit à nous détacher des biens matériels pour finalement trouver ô combien plus. Parce que oui, Jésus demande beaucoup de sacrifices, mais les récompenses que nous recevons en retour de lui sont 100 000 fois supérieures et 1000 fois plus nombreuses que tous les sacrifices que nous pourrons avoir faits. Alors certes, peut-être que nous ne verrons pas tout de suite ces récompenses données par Jésus, mais avec le temps, dans un an, dans un mois, dans 10 ans, vous direz « Ah ouais, Jésus, il est quand même sympa ». Alors, travaillons bien, obéissons bien, faisons chaque jour notre béa, soyons purs, soyons joyeuses et transmettons cette joie. Il y a une semaine, c'était la Pentecôte. Il est encore temps de demander au Saint-Esprit le don de force pour accepter et surmonter toutes les épreuves que nous rencontrerons tout au long de notre vie. Bien cher guide, je vous souhaite bon courage pour la suite d'événements. À très bientôt, je l'espère. Je vous adresse mon plus fraternel salut scout. Que Dieu vous garde.